Ah bonjour! Vous allez bien? Non. Bonjour tout le monde, c'est Célestin. Célestin crétin, mais Célestin un ami qui te veut du bien. Et aujourd'hui on se retrouve parce que, il n'y a pas longtemps c'était la fête de la musique. Et je vous fais un vlog sur la fête de la musique. Donc là, vous voyez des petites oiselles qui chantent. Forcément, vu que c'est la fête de la musique, elles chantent. Puisque c'est la fête de la musique. Et comme c'est la fête de la musique, il faut qu'elles chantent. Voilà. Alors, je vais écouter un petit peu ce qu'elles chantent. Vu que c'est la fête de la musique. Vous voyez qu'au son de la musique, eh bien, je danse. Forcément, au son de la musique, eh bien, tu danses. Parce que c'est la... Alors donc en fait je vais écouter un peu ces jeunes chanteuses et ensuite on va aller voir leur papa qui joue de l'accordéon, voilà. Et là vous voyez, je danse parce que je m'enjaille, je suis très content d'entendre de la musique et... Ah d'accord, bon j'en ai perdu l'équilibre et je me suis cassé la gueule. Bon écoutez les amis, je vais vous retrouver très bientôt, je vais aller chercher leur papa qui joue de l'accordéon et on se retrouve au même endroit grâce à la magie du montage. A tout de suite les amis, ne bougez pas, à tout de suite. Ah, nous revoici à nouveau devant les papas des petites filles oiseaux. Alors n'oubliez pas que je suis Célestin. Célestin crétin, mais Célestin un ami qui te veut du bien. Et je suis aussi un ami des musiciens. Donc forcément, vu que c'est la fête de la musique, eh bien aujourd'hui la musique est à l'honneur parce que c'est la fête de la musique. Et comme c'est la fête de la musique, eh bien on va mettre la musique à l'honneur. Enfin, je pense que tu m'as compris. Donc là, on va écouter les oiseaux chanter. Et après, eh bien je vais vous quitter. Ah, je le rappelle encore une fois. Ah, tu es mignonne, tu es gentille. Est-ce que tu veux bien me jouer de la flûte enchantée, ma petite? Hein? Est-ce que tu veux que je te montre ma grosse flûte? Alors, je me rends compte de ce que je viens de dire et je sens que c'est pas joli du tout. Hein? Je vais avoir des soucis. Ah, il y a encore une petite fille toute seule. Bonjour, petite fille, tu es jolie, tu es mignonne. Est-ce que tu veux que je te montre ma grosse épée? Hein? Je pense que elle est longue et fine. Veux-tu que je te montre ma grosse épée? Non, tu veux pas voir ma grosse épée. Je pense que je vais m'en aller d'ici parce que je dis des choses qui pourraient prêter à confusion. N'oubliez pas que Célestin, c'est un crétin, mais ça va pas plus loin. Alors, on va laisser passer la nuit et on va parler à monsieur le père Hoquet, parce que c'est un père qui est gentil, donc forcément c'est un père Hoquet. Oui, je sais être drôle, oui, je sais faire des blagues. Enfin, en tout cas, n'oubliez pas que Célestin, c'est un crétin, mais ça va bien. Alors, on va continuer notre petite ascension. On va parler à monsieur le père, ok? Vous voyez les running gags avec moi, hein? C'est comme Maxwell, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc, on va parler au monsieur, il va nous raconter une histoire, et après, on va se laisser. Alors, il faut quand même que je puisse me mettre. Donc, Azarim, je t'écoute. Je vais pas vous lire, je pense que vous savez lire parce qu'il y a les textes. Et si vous savez lire, j'ai pas besoin que je vous lise aussi après. Parce que vu qu'il y a les textes, je me tais, je vous laisse écouter ou regarder, ça dépend. Vous allez voir, la musique est complètement fantastique, hein. Voilà. Peut-être qu'un jour je vous ferai de la musique moi aussi. Ah, je sais pas, peut-être avec une feuille et puis un peigne, on appelle ça un casou. Voilà, comme ça je pourrais... Bon sang. Je suis désolé, je suis complètement navré. J'ai une personne à côté de moi qui me fait rire. Je reprends. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous laisser écouter ce que dit Azarim. J'avais demandé expressément à la personne à côté de moi de ne pas me faire rire. Tu as fail. Donc je disais, oui, je sais aussi jouer du kazoo. Vous prenez un peigne ou une feuille en papier ou une feuille d'arbre et vous soufflez dessus et ça fait un kazoo. Non, mais tu rigoles, mais c'est la vérité. Voilà. Je me tais. J'ai une voix de merde. Oui, bon, d'accord, j'arrête.
Voilà, ainsi s'achève donc la fête de la musique dans les aventures de Célestin. Célestin crétin, mais Célestin un ami qui te veut du bien. Je voulais également en profiter pour remercier la créative la personne qui s'est occupée de l'intro, puisque enfin elle a su me reconnaître à ma juste valeur, à savoir un super-héros. Et non pas un super zéro. En tout cas, je voulais vous remercier parce que je sais que certains d'entre vous, ça vous fait très plaisir de suivre mes pérégrinations. Je vais revenir très bientôt, comme je l'avais promis à Noël. En tout cas, moi, je vais vous laisser parce que je suis appelé vers d'autres destinées. Oui, Célestin, crétin, mais Célestin, il sait faire aussi. Il sait aussi faire des poèmes, et ça, c'est bien. Je laisse quelques secondes pour vous quitter, et comme le disait notre ami Valérie.